Victor Hugo disait dans l'un de ses poèmes: La terre est chère à tous ceux qui s'aiment en marchant. Au Burundi, cette citation n'est pas simplement un vers, elle est une vérité. Le peuple burundais, qui vit à près de 90% en zone rurale, tire l'essentiel de ses ressources de la terre en la cultivant et en y faisant paître ses vaches et ses chèvres. Cependant, celle-ci se fait rare. Avec près de 300 habitants au kilomètre carré pour un territoire d'une surface de 28 000 km², le Burundi est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. Imaginez, cela représente une surface de 35 mètres carrés par habitant. C'est pourquoi, dans ce pays parsemé d'innombrables collines, chaque centimètre carré de terre compte. Depuis son indépendance en 1962, le Burundi a connu plusieurs périodes de conflits internes pendant lesquelles des centaines de mines ont été disséminées sur le territoire. La dernière crise prit officiellement fin en mai 2005. Cachées sous terre, les mines ne reconnaissent ni les cessez-le-feu, ni les accords de paix. Aveugles et patientes, elles attendent. Elles attendent encore. Elles attendent toujours. Ces dangereux engins hérités de la guerre, dont la durée de vie oscille autour d'une quarantaine d'années, rendent ainsi inexploitables de multiples parcelles de terre. Et cette terre, si chère et si essentielle aux yeux du petit producteur burundais, est devenue incertaine, car dorénavant, elle peut à chaque instant lui arracher la vie. Je travaille à la Direction Générale de la Protection Civile, au service Action contre les mines, et j'ai été formé par l'ONG MAD depuis mars 2011. J'ai une formation EOD1 et EOD2. Nous sommes une équipe mobile qui est chargée de déminage. Aujourd'hui, je suis en mission d'enquête non technique de pollution, précisément dans la province de Mubanza, commune Rugazi. Je me rends sur la zone de la commune de Rugazi pour rencontrer l'administrateur afin de lui poser des questions sur une probable pollution de sa commune. Donc pour réaliser une enquête non technique de pollution en action contre les mines, nous nous servons d'un questionnaire déjà élaboré que nous soumettons à un interlocuteur comme une administration locale. Et ce questionnaire a des rubriques sur lesquelles nous devons insister, soit l'historique, la pollution ou la situation sécuritaire dans la commune ou dans le lieu où nous allons enquêter. Là, il y a des positions militaires ici. Plus précisément, nous sommes en zone routière, colline Rutake, sous colline de Obiroto, près de la lisière de la Kibira. Là, il y avait beaucoup d'oppositions militaires sur les collines. Cette zone nous inquiète beaucoup parce que même la population de cette localité n'y fréquente pas. Le Burundi a une problématique très particulière, c'est-à-dire qu'il n'est pas contaminé comme beaucoup d'autres pays par un nombre de mines très important. Comme je prends par exemple l'Angola ou le Mozambique. Donc ce sont des minages sporadiques. On a une population qui est très importante, de l'ordre de 300 personnes au kilomètre carré. Donc vous pouvez vous imaginer que chaque lopin de terre est très précieux pour cette population. Cette population était confrontée à 15 années de guerre. Donc dès qu'elle a le moindre soupçon, c'est une peur panique. Elle ne touche pas aux terres,
et elle s'en réfère à l'administrateur demandant à ce que cette zone soit dépolluée le plus rapidement possible afin de reprendre ses terres et de les cultiver comme il se doit. La population ne travaille pas autour? Non, la population n'y va même pas. Même pour les activités, labour, pâturage. D'accord. Ils n'y mettent plus les pieds. Et combien de positions? Donc deux positions? Deux positions. Deux positions qui se trouvent proches de la Kibira. Oui, oui. Et la population donc ne s'y rend pas. C'est une supposition que c'est peut-être pollué. Et c'est une supposition. D'accord. Comme tu peux le constater sur la photo satellite, en fait, on a une zone cultivée. Les positions militaires devraient être là, les deux positions militaires. Mais en fait, on constate que cette partie-là n'est pas cultivée. Toute cette partie-là? Ouais, toute cette partie-là, en fait, c'est de la lande. Ah ouais. Ce sont des grands herbiers, okay. Et avec des fougères. Mm-hmm. Et en fait, c'est cette partie-là que la population aimerait bien récupérer. Donc le challenge, c'est d'aller voir s'il y a présence ou non d'engins explosifs, voire de mines à fragmentation. Ah, tout à fait. Voilà. Je vais faire un cliché, on l'emmènera demain avec nous sur le terrain. Nous sommes actuellement sur la colline Outaké, dans la commune de Rougazi, en province de Bouvanza. L'équipe de déminage est en train de décharger le matériel qui se trouve dans les véhicules. Et par après, nous montons directement à la colline pour effectuer une opération de bac et de dépollution des engins non explosés. Pour le moment, le superviseur va s'occuper directement du briefing de l'équipe. L'activité que l'on doit faire, en fait, c'est deux anciennes positions militaires qui se trouvent le long de la Kibira, que l'on doit dépolluer. On pourrait être en présence supposée de mines antipersonnelles type POMZ, je précise, des mines à fragmentation à effet de zone. Et ensuite, on peut très bien trouver donc des UXO, des munitions. Entre le PC et la TASC, on a environ, d'après l'équipe de reconnaissance, on a 1h30 de montée. On a 600 mètres de dénivelé, on peut le voir ici sur une photo satellite. On va monter le long de la crête, ensuite on va bifurquer, on va passer entre deux mamelons ici, pour arriver sur ce plateau, avec la Kibira juste devant nous. C'est parfait? C'est bon? Alors action, vous prenez le matériel et on part. Nous avons commencé à être déployés sur le terrain depuis 18 avril. Nous avons déjà trouvé pas mal de dangers, notamment les mines antipersonnelles, soit des grenades, soit des engins non explosés. C'est vrai que si on trouve une mine, on doit la neutraliser ou la détruire. Mais bien sûr, la pression monte des déminés. Mais grâce à la formation qu'ils ont eue avec MAG et avec l'expérience du terrain,
Nos démineurs essaient de garder le sang-froid et travaillent d'une manière consciencieuse et professionnelle. Et résumé, jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'incident ou d'accident. Et si on trouve une mine, nous sommes heureux puisque nous contribuons à sauver des vies et à donner à la population l'accès à travailler dans les champs sans crainte. Bon, là, vous avez devant vous une dépollution de champ de bataille, ce qu'on appelle BAC en anglais. La dépollution de champ de bataille, c'est en fait, on est sur une zone supposée où on peut retrouver des résidus de munitions, ou voire des munitions, mais sans présence de mines normalement. Si on trouvait des mines, on passerait tout de suite en déminage manuel. Donc on est à plus de 200 mètres de la position militaire. Il faut savoir que les positions militaires au Burundi, le minage de protection se fait dans la tranche entre 50 et 100 mètres. Au-delà, il n'y a pas de dépose de mine. On est arrivé à environ 100 mètres de la position militaire et on va se reconfigurer pour passer en déminage manuel. Donc on ouvre trois couloirs et les démineurs vont vérifier s'il y a présence de sources sonores. Sources sonores, ce qui va déterminer quoi avec les détecteurs de métaux, la présence d'éclats d'engins explosifs ou peut-être des engins explosifs abandonnés. As well as in releasing safe land back to communities to help with development, we also educate people who are living and working and travelling through contaminated areas to reduce the risk to them. And we work to reduce the dangers of small arms and light weapons, which are widespread in post-conflict environments. Cyane cyane aha twashimikiye ku bana kuko nibo bakunda guhura n'izo mpanuka kubera babitora batabizi bakibaza ati ni ibintu byo gukinisha. Bravo, ici Tango Lima. Tango Lima, ici Bravo, envoyez votre message. Dans le couloir A, on entend un écho très fort. Et c'est une mine antipersonnelle de type POMZ avant. Et vous stoppez et puis vous quittez vos couloirs. J'arrive voir ce que c'est. Ouais, Denis, c'est moi. Je t'appelle parce qu'on vient de trouver une POMZ là. Donc pour l'instant, je vais aller la reconnaître. Soit on la détruit sur place parce qu'elle est en mauvais état, soit on peut la neutraliser et on entamera une neutralisation avec un démineur. Voilà, je te tiens au courant. Tango Lima de Delta. Delta, c'est Tango Lima envoyé. Bon, la mine, elle est complète. Elle a sa charge, elle a son allumeur. Et la goupille de sécurité de l'allumeur est enfoncée complètement, donc on peut la neutraliser. Reçu. Mine neutralisée. La charge. Après la neutralisation, on va la déplacer dans un trou de plus d'un mètre de profondeur, éloigné à 400 mètres du lieu. On va détruire donc la mine, l'allumeur et la charge. On va placer dessus une charge de démolition. On va recouvrir de terre. Et ensuite, on va se mettre à distance de sécurité pour procéder à la destruction. À tous, on va procéder au décompte de 10 à 0. À vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu!
umusozi wa rutake yego ni byiza kubera twadufise ahantu ahantu bita kurikoni niho hari hatubangamiye cyane icyo gihe nta muntu yajyayo kubera hahuriya porotisiyo ya gusirikare aho tugiye tubona nuko ngaha mushika ngaha mukaza mukadukuriraho ibyo bintu byari bitubangamiye n'ubundi mwatse hageze byari bimaze gukomereca abantu babiri hanyuma n'ubu rero turasinya turakenguruke kubera muntu adusikiriza ati aho hantu ubu nta kindi kintu kikirwanyije turasigaye tumwe muragenda kuhakorera ubu rero tukaba dusinye tukaba dukenguruke n'ubundi ntitwabona ikindi kintu kikirwanyije kizohaduka aho hantu tugendera tubatumye ko ntitwabatuma ko naho muraheza namwe mucyo munyaruka umukuru yaza kubaranga namwe